même au Congo, ça, il y a des gens qui ne louent pas. Vous êtes déjà là. Hey, vous cuisinez même quand. Vous faites la formation quand. Vous cherchez votre vie quand. Vous les gens d'aujourd'hui là. Vous aimez le Congo ça plus que le Congo ça même. Dès que vous entendez qu'il y a quelque chose, vous êtes déjà là. Surtout les jeunes gens d'aujourd'hui. Vous cuisinez même quand. Hein, je vais même poser ce foutu téléphone comment même. Parce que je cherche, comme je suis en train de charger, je suis en train de cuisiner en même temps. Je suis à la cuisine, je suis en train de cuisiner. Hey, vous aimez le Congo ça, hein? C'est quand il y aura un meurtre que vous allez arrêter d'écouter le Congo ça. Restez toujours là entre être téléspectateur. Il y a un mourir où il y a un petit demi canetier. Donc Valérie a mouru en car de quoi en gaba belle raison parce que parce que quand quelqu'un va se suicider. Depuis un temps, vous constatez qu'il y a beaucoup d'histoires sur la toile, il y a beaucoup d'injures de part et d'autre, mais là, il s'agit de notre sœur, Lady Ponce. Lorsque Aline se lève pour parler d'elle et dit qu'elle est lesbienne, vous savez, on ne se lève pas et accuse quelqu'un à tort s'il n'y a pas de preuves. Donc, maintenant, les personnes qui détiennent les vidéos, là où elle est en train de. C'était à Kribi, c'était à Limbé. Dans un hôtel à Limbé, avec Jean-Louis Messant. En train de se faire lécher par une autre femme, les gens menacent de publier cette vidéo. Parce que ce n'est même pas une seule vidéo. Pour l'instant, les gens donnent. Ces personnes demandent, donnent 2 jours à Lady Ponce. Moi, je fais que mon boulot. Vous n'allez pas me dire que j'étais méchante. Parce que si j'étais méchante, j'allais aussi laisser, comme Amot, comme le président Amot avait laissé qu'on publie Aline nue. Moi, je ne suis pas une personne méchante. Moi, je n'ai pas un cœur noir. Moi, je ne veux pas du mal. Moi, je croyais qu'on était encore pour les injures. Mais moi, je ne suis pas là pour la méchanceté parce que je n'aime pas la méchanceté gratuite. Moi, personnellement, je croyais encore qu'on était là pour les injures. Je ne savais pas que c'était déjà à ce niveau. Donc, les personnes qui ont les vidéos demandent à Lady Ponce de demander pardon à longueur. Et à Aline, parce que hier, moi je n'écoute pas les vidéos. Apparemment, elle a demandé pardon à ses fans. Donc, les mêmes personnes ordonnent, l'exhortent à demander pardon à longueur. Sinon, ils publient la vidéo. Là, elle est en train de lécher la chatte de la femme. Avec Jean-Louis Messant, ils étaient en train de faire la patouse dans un hôtel à Limbé. Et maintenant, moi, ce que je veux dire. Parce que les Camerounais, vous aviez toujours quelque chose. Lorsqu'il s'agit vraiment des vraies choses, vous venez toujours derrière pour dire « Oh, les dépenses se dépassent, c'est de la jalousie. » Moi, personnellement, je ne jalouse personne. Vous savez pourquoi? Parce que je suis une fille capable. Quand je veux quelque chose, je me mets à genoux, j'obtiens cette chose. Quand je veux quelque chose, je me mets à genoux. Je sais comment me battre pour obtenir une chose. Alors la jalousie appartient aux gens qui sont incapables. Moi, je ne suis pas incapable. Parce que vous aviez un peu cette habitude-là. Quand il y a vraiment un vrai problème, vous venez avec l'habitude que, oh, tu fais la jalousie.
hein, si vous aviez l'esprit de jalousie, de concurrence, moi je n'ai pas cet esprit. Je suis là pour dire, si vous aimez les dépenses, vous ses fans, les gens qui l'entourent, demandez-lui de demander pardon. Ils ont donné 2 jours. Parce que depuis le matin, j'ai déjà parlé au téléphone, je suis fatiguée de parler au téléphone. Je suis fatiguée de supplier sur WhatsApp aux personnes qui détiennent les vidéos. Ils m'ont envoyé, moi-même j'ai vu. Je suis témoin oculaire. C'est la même chose que quand je dis toujours, je suis venue, je vous avais dit que j'avais reçu les choses de Mandendon. Elle a tapé le corps, personne n'a rien sur moi. Alors que moi j'avais déjà les choses. C'est toujours comme ça. Vous savez, les gens me font confiance. Les gens savent que je ne cite jamais les noms des contemporains. C'est là que j'ai dit, ah, donc ce que nous faisons sur la toile, les gens nous regardent même. Moi, je ne savais pas que j'étais suivie, que les gens me faisaient confiance. Ils savent que je parle avec retenue, que je suis une fille qui a les réserves. Les gens disent que Valérie Amougou, voilà ça. Voilà ça, c'est fait, mec. Je suis en train de supplier les Camerounais, les chers Camerounais qui ont la vidéo. Donc, vous aussi, ces fans, demandez-lui de demander pardon. Le pardon est divin et ça n'enlève rien. Quand tu es une grande personne, même les ministres demandent souvent pardon. Même les ministres, même les présidents de la République demandent pardon. Parce que les gens, Longuet aussi a ses fans. Aline aussi a ses fans. Et ces gens-là sont les fans de Longuet. Qui demandent à l'aide du pense de demander pardon à Longuet et à Aline. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, vous allez seulement retrouver les vidéos de votre star sur Google, comme pour Aline. Sur Google, en train de lécher la chatte d'une femme. Après, ne venez pas dire que Valérie Amourou n'a pas dit. Voilà ça que je vous ai déjà dit. Si vous l'aimez, arrêtez de dire que c'est de la jalousie. Parce que moi, je ne sais pas ce que je veux jalouser chez quelqu'un. Si je veux quelque chose, je veux obtenir ça. Sans jalouser l'autre. Moi, je suis là pour dire les vérités. Et rien que la vérité. C'est comme ça. Donc, vous les femmes de Lady Ponce, si vous l'aimez vraiment, demandez-lui de demander pardon. Et qu'on lui ait donné 2 jours. Sinon, les WhatsApp vont pleurer. Vous n'allez pas dire que Valérie Amouga dit. Vous comprenez? Parce que comme depuis, vous voyez Aline parler certaines choses. Moi, je supplie tous les jours. Hein. Moi, je fais un travail tous les jours parce que je suis avant tout une sœur. Et je suis une fille très sage et intelligente. Moi, je n'aime pas voir deux personnes s'entretuer. Encore plus nos sœurs. Parce que les deux sont nos sœurs. Moi, quand j'interprète les chansons, c'est les chansons de Lady Ponce que j'interprète. Parce que les chansons de Maman Katino sont trop difficiles pour moi à interpréter avec tous les points, les le, les la, les montées, les descendues. Alors que Lady Ponce, elle écrit les textes qui sont faciles à retenir. Les chansons de Maman Katino, même certains musiciens, ils n'arrivent pas souvent à jouer ces chansons. Donc moi, personnellement, ça va aussi me faire mal de voir ça sur la toile alors que je suis au courant. C'est encore sous silencieux, sous marin. Vous les femmes, dites-le lui de demander pardon. Il ne s'agit pas de la concurrence ou de la jalousie. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec elle. C'est une sœur que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Et que je veux dire aujourd'hui que il faut qu'elle sache que ce sont les gens qui l'entourent qui veut sa mort. Ce sont les gens qui l'entourent, qui le livrent dehors. Les gens qu'elle appelle ces gens, ce ne sont pas ces vrais gens. Vous comprenez? Souvent, les gens que nous appelons nos gens, ce ne sont pas nos gens. Souvent, on marche avec les gens, mais on ne les connaît pas. Moi, je parle avec retenue. Moi, je fais le combo, hein. Vous savez. Moi, j'aime faire à manger.
D'autres diront, viendront dire que je manque de foi. Pardon, laissez-moi faire mon gombo. C'est ce que j'avais à dire. Demain après-demain, ne soyez pas étonnés de voir les vidéos circuler sur Facebook ou sur des pages. Les gens menacent. Ils m'ont envoyé comme ça sur mon WhatsApp. J'ai vu. J'ai dit ok. C'est la même chose qu'il y a aussi une autre fille étonne. La fille étonne qui m'a fait une vidéo hier. La dernière fois qu'elle était au Cameroun, elle avait baisé avec quelqu'un. La personne a pris les vidéos. Excusez-moi d'être vulgaire. J'ai reçu la bière là. Comment moi je sais qu'elle gémisse? Elle gémit. Hein, je me dis, une femme qui a de la chair comme ça, comment elle peut faire que, à peine que l'homme entre, essaie d'entrer, elle commence déjà à faire waouh, waouh. C'est quoi? Est-ce qu'on t'opère? Hein? On ne t'opère pas, tu n'accouches pas. Tu es en train de. Tu fais quelque chose qui fait du bien. Donc, il faut que quand vous nous voyez ici dehors, je vous ai toujours dit ça. Je ne parle pas beaucoup. Les gens pensent que je parle beaucoup. J'ai même beaucoup de retenue. Et je fais beaucoup de travail. Je dis à certains gens, non. Non, 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 non. Et c'est ce que je suis en train de dire, que si vous aimez le Dupon, parce que depuis le matin que je parle au téléphone, je suis fatiguée de supplier. Demandez-lui si vous l'aimez. D'accord? Et si vous voyez le président Amot, dites-lui que j'ai des bonnes bières pour lui. Dites-lui ça. Que j'ai les bonnes. Les gens qui ont les sales vies continuent à faire les sales vies. Quand vous arrivez au Cameroun, vous dupez les enfants des gens. Les gens qui ont les sales vies continuent à faire les sales vies. Amot, j'ai des bonnes bières pour toi. Ouais. Mais je ne suis pas méchante. Je vous rassure que vous n'allez jamais voir ça sur Google ou sur les WhatsApp, sauf si le nez me pique. Vous savez, on a tous un jour que le nez de folie pique, monte. On a tous un jour. Mais depuis que vous me voyez, est-ce que vous m'aviez déjà vu mettre les choses de Mandendon sur Google? Alors que Mandendon, elle a mis pour Aline. C'est comme ça, tout le monde n'a pas le même cœur. Moi, je ne suis pas méchante. Donc, les biais sont là. Demandez à Lady Ponce de se calmer et de demander pardon à ses frères et à ses soeurs. Un point, deux clés, c'est ce que j'avais à dire. Ils ont donné de l'air jusqu'à samedi. Et moi, j'ai déjà fait mon travail et je lave mes mains. Si vous voyez quelque chose dehors, ne dites pas que Valérie Amourou n'a pas dit. Voilà ça que j'ai dit. Aujourd'hui, voilà ça. Ne dites pas que on ne nous a pas prévenu. Oh. Voilà ça que j'ai dit. J'ai dit que les gémissements à gogo, il n'y a même pas que celui-là. Je connais celui-là que tu parles là. Wow, wow. Donc quand les filles partent au Cameroun, vous partez même niasse comme ça avec les gars. Je vous jure que je ne savais pas. Mais ce sont les gémissements que tu veux voir. Maman, bref, pardon, je fais ma sauce gombo. Restez calme là-bas. Moi, je n'ai pas, à part que mes photos ont été publiées, mes photos même, j'étais en lingerie.
À part que je fais souvent une petite vidéo, une petite photo, j'envoie même à mon gars pour exciter. Mais moi, je ne mène pas une sale vie. Je vous dis ça cash. Je n'ai pas d'arrière, je n'ai pas les archives sexuelles bizarres. Vous comprenez? Je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas des archives sexuelles bizarres. Les archives sexuelles zurtiques bizarres. Quand ça glisse, on met un peu de. Si tu veux que ton gombo glisse vraiment, soit tu mets un peu de kangwang, mais le kangwang, tu dois d'abord le tremper dans un verre, après tu tamises. Et que ça soit vert. Si tu veux que ton gombo glisse aussi, tu peux mettre un peu de bicarbonate. Savez, moi, j'ai fait les cours de cuisine depuis le Cameroun. Voilà ça que vous connaissez. Les vidéos sont dehors. Les vidéos ne sont pas encore dehors, mais il reste un peu. Et moi, j'ai déjà trop négocié depuis ce matin. J'ai même déjà mal à la tête. Ce n'est pas ici que vous allez venir demander qui est Cyprien, d'accord? Vous aimez trop le Congo ça ici sur Facebook. Ce n'est pas sur mon mur. Si vous voulez demander, vous voulez savoir qui est Cyprien. Allez demander là-bas.